bien, bienvenue sur ma petite chaîne cocooning, très reposante, très slow en fait, vraiment à mon image quoi. La chaîne, voilà, pleine d'émotions, de petits bonheurs, de choses qui me font vraiment du bien. Je voulais partager avec vous un nouvel épisode de vlog qui n'est pas vraiment un vlog, enfin c'est plutôt un slow vlog reposant, presque silencieux, mais je voulais quand même prendre la parole un petit peu au départ pour vous expliquer 2-3 choses, comment ça va se dérouler, comment ça va se passer, et vous remercier comme toujours pour vos commentaires, vos suggestions, parce que ça m'aide énormément et je suis content maintenant d'avoir des suggestions, et je prends note de tout, je vous rassure, et je note tout dans mon iPad d'ailleurs, et je sais que je vais explorer un petit peu les environs, ne vous inquiétez pas, je vais explorer, je vais prendre plus souvent la voiture pour vous emmener un petit peu ailleurs et vous faire visiter les alentours, les coins. Donc aujourd'hui dans la vidéo, ce sera surtout quelque chose de reposant, mes petits bonheurs, ma façon de vivre le slow living, le slow life, qu'est-ce qui me rend heureux, qu'est-ce qui me fait du bien, et finalement c'est de m'éloigner un petit peu de la surconsommation. Et j'ai eu une discussion hyper enrichissante et enrichissante avec une des abonnées. Ça m'a permis d'avoir un point de vue différent sur le minimalisme. En fait, j'avais vraiment en tête que le minimalisme c'était vraiment, voilà, arrêter de consommer à tort et à travers et vraiment de rester sur quelque chose de très simple. Et finalement, je me suis rendu compte qu'on avait toutes et tous un minimalisme à exprimer à notre façon, et moi ça passe par de dépenser moins déjà, de dépenser mieux et de m'accorder plein de petits bonheurs, de m'accorder du temps, un temps précieux dans ce monde où tout va hyper vite, où on va à 100 à l'heure, où il se passe beaucoup de trucs négatifs, où on essaye de vous étouffer sous une tonne de notifications, de bip, de machin, de trucs, et j'en passe. Donc voilà, je voulais juste vous partager une petite vidéo qui est une petite bulle de bonheur, de positivisme, voilà, juste quelque chose qui me rend bien, des petites activités qui m'ont permis de me sentir mieux, des petits moments de pause un peu hors du temps, vous savez, où vous avez juste envie de coucouner, de chiller, de vous sentir bien, d'écouter un peu de musique, de lire un bouquin, de faire des gâteaux, de manger une pâtisserie, de faire de la brioche, enfin, plein de petits bonheurs. Donc voilà, c'est ce que je veux partager avec vous aujourd'hui, et je vous laisse sur ces images, je vais éviter de trop parler, je vous retrouve un petit peu plus tard pour la suite, pour la conclusion, et vous dire au revoir. Donc voilà, allez, à toutes.
I'm here to give you everything you need. Your heartaches and pain will all heal with time, girl. Your love is mine if we plant the seed. And baby, 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 you gotta hold on. Nickel, Anna. Ah, c'est dans la boîte. Oh. J'aime juste pouvoir profiter comme ça au soleil. Ne rien faire, ça fait vraiment du bien parfois. L'ennui fait du bien, je trouve. J'apprécie de rester juste comme ça au chaud avec une légère brise. Enfin, c'est hyper agréable, c'est des petits bonheurs en fait qui ont leur charme et qui font du bien en fait. Dans cette vie si rapide, cette course à la folie, j'ai envie de dire, à la vitesse, à la précipitation, il faut enchaîner les rendez-vous, il faut faire toujours plus de choses, etc. Là, ça fait juste du bien de chiller, comme j'aime le dire, tranquillement, et de se reposer, de se ressourcer, d'écouter un petit peu ce qui se passe autour de soi, de regarder, de lever les yeux au ciel. Enfin, ça peut paraître abstrait pour certaines personnes, mais moi, c'est vraiment mon petit bonheur. Et puis là, d'entendre les petits oiseaux, au printemps, de voir les arbres qui commencent à avoir toutes leurs feuilles, enfin, c'est très très sympa. J'aime beaucoup. Une petite sieste au soleil, pardon, c'est juste ultra agréable.